te disons merci pour les offrandes et les dîmes, Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur, je prie, Seigneur, que ces offrandes soient sanctifiées, Seigneur. Que tu bénisses, Seigneur, la bénédiction, c'est toi qui donnes la sémence au Seigneur. Papa, donne la sémence à celui qui n'a pas, Seigneur. Je bénis ces offrandes, je les sanctifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très content d'être là parmi vous ce matin. Bienvenue. Dieu est très bon. God is good. Et ces deux dimanches, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler de la responsabilité du chrétien. Amen. J'aimerais aussi que c'est passé la technique comme soutenir pendant que je serai en train de donner certains points. J'ai au total 14 points. Et nous allons voir 7 points aujourd'hui et dimanche prochain. Dimanche prochain, nous allons voir également les 7 points. Seigneur, je te dis merci pour le ministère de la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous dis, Seigneur, que nous sommes déjà purifiés à cause de ta parole. Purifie, Seigneur, ton peuple ce matin. Parle à ton peuple ce matin. Glorifie-toi, Seigneur, dans la salle des saints. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, la responsabilité du chrétien. Die Verantwortung des Christen. Bien-aimé, vous savez, ihr wisst, nous pensons toujours que Dieu fait tout pour nous. Wir glauben, Gott tut alles für uns. Ce n'est pas vrai. Das ist nicht wahr. Nous avons une très grande responsabilité vis-à-vis de notre relation avec le Seigneur. Wir haben eine große Verantwortung in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Et nous allons voir cela aujourd'hui. Und wir werden das heute sehen. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Levons-nous, s'il vous plaît. Ce verset va nous accompagner aujourd'hui et dimanche prochain. 1 Corinthiens 3, verset 9. La Bible dit, vous y êtes. 1 Corinthiens 3, verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Voilà, la notion de Chopin, ça ne ressort pas ce que je veux là. Il y a, c'est-à-dire le sens de, je ne sais pas. Ich kann diese Version lesen. Voilà. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Voilà, ça me plaît. Und sein Bauwerk. Voilà, Amen. Asseyons-nous. Alléluia. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu a sa part à faire et nous avons aussi notre part à faire. Bien-aimé, Dieu, comme je disais, ne fait pas tout pour toi. Gott tut nicht alles für dich. Mais Dieu attend que tu fasses ta part. Aber Gott erwartet, dass du deinen Teil pour tust, que vous puissiez avancer ensemble. Damit man zusammen vorankommt. Parce que vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous êtes Mitarbeiter Gottes. Nous ne devons pas laisser toute la responsabilité à Dieu. Oh, nous posons la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agi? Comment est-ce que Dieu a laissé cela arriver? Non, frère, non, sœur, tu as une très très grande responsabilité par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport au succès, par rapport à la situation dans laquelle tu traverses. Bien-aimé, le premier point que j'aimerais donner, c'est la responsabilité de faire confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut... La responsabilité de faire confiance à Dieu. Die Verantwortung, Gott zu vertrauen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, frère, c'est-à-dire, sœur, das heißt, Bruder und Schwester, c'est ta responsabilité de faire confiance à Dieu. Es ist deine Verantwortung, Gott zu vertrauen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avant d'arriver ici à l'église qui a prié pour que la dalle ici ne s'écroule pas pendant qu'on serait dans le culte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en intercession par rapport à ça? Hat jemand dafür gebetet? Ce matin ou pendant la semaine? Heute Morgen oder in der Woche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour que cette
Vous allez quoi? Cette toiture ne tombe pas sur notre tête. Hat jemand gebetet, damit der Dach nicht einstürzt? Parce que la toiture peut tomber sur notre tête. Ein Dach kann auch einstürzen über unser Kopf. Ou alors, quelqu'un avant de s'asseoir sur la chaise, elle a beau prier pour la chaise avant de s'asseoir sur la chaise. Oder hat jemand also gebetet für den Stuhl, bevor er sich draufsetzt? Pourquoi est-ce que personne n'a prié? Warum hat keiner gebetet? Parce que les gens font confiance à ceux qui ont construit ce bâtiment. Weil die Leute denen vertrauen, die dieses Gebäude gebaut haben. Est-ce que vous êtes pas ce matin? Yeah. Les gens font confiance à celui qui a bâti cette chaise. Die Leute vertrauen den Leuten, die diese Stühle gebaut haben. La chaise, aber die diesen Stuhl ankommen. Die chaise peut supporter mon poids. Dann sagen die, dieser Stuhl kann nicht mehr aufhalten. Dieser Stuhl hier kann mich nicht fassen. Lorsque quelqu'un se tient sur cette dalle, wenn jemand hier auf il bouge, il dit oui. La dalle, ja. Elle est forte. Dieser Boden ist hart. Le toit est solide. Et il n'y a pas besoin de faire une intercession. Parce qu'ils font confiance aux ingénieurs, aux maçons qui ont construit ce bâtiment. Alléluia. C'est la même chose avec notre Dieu. La Bible nous dit que, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que si tu viens à l'église et que tu ne fais pas confiance en Dieu, la Bible te dit encore ce terme que tu es en train de perdre ton temps. La première responsabilité du chrétien, c'est de faire confiance en Dieu. Alléluia. Dieu est digne. Oh, qu'on lui fasse confiance. Dieu est un Dieu vrai. Mais la question, est-ce que tu lui fais confiance? Ou alors tu fais plus confiance aux hommes? Nous bénissons le Seigneur pour les médecins. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui peuvent nous aider. La question c'est, est-ce que tu fais confiance vraiment en ce Dieu? Oh, nous avons parlé de notre papa Abraham depuis le début de l'année. Dieu lui a dit de partir dans un pays. Mais Dieu ne lui a même pas dit le nom du pays. Mais la Bible dit qu'il est parti par obéissance. Dans Romains 14, Romains 4, verset 17. La Bible dit qu'il a cru contre toute espérance. Parce qu'il faisait confiance en Dieu. Il était prêt à donner son fils. Son fils qu'il a beaucoup aimé. Son fils, le fils de la promesse. Il n'a pas posé la question. Que pensera Sarah? Was wird Sarah darüber denken? Il a fait confiance au Seigneur. Er hat den Herrn vertraut. C'est ta responsabilité, frère. Es ist deine Verantwortung, de faire confiance en ce Dieu. Diesem Gott zu vertrauen. Le Dieu qui t'a appelé. Der Gott, der dich gerufen il hat. Est capable de te conduire. Es ist in der Lage, dich zu führen. Mais est-ce que tu lui fais confiance? Aber vertraust du ihm? Alléluia. Amen. C'est ça la première responsabilité de l'enfant. Si tu viens à la maison de Dieu, si tu pries sans attente, si tu viens dans les réunions et les réunions chrétiennes, ça mettre toute ta confiance au Seigneur. Comme je l'ai dit, bien aimé, tu es en train de perdre ton temps. Parce que tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne lui fais pas confiance, si tu n'as pas la foi en lui, si tu ne crois pas en sa parole. Alléluia. La Bible dit que sa parole est éternelle. Le monde passera, mais sa parole ne passera pas. Faire confiance en Dieu. Je sais, bien aimé, ce n'est pas souvent facile de faire confiance, surtout lorsqu'on est dans les soucis. Mais notre responsabilité, c'est de continuer à croire en ce Dieu. Qui ne t'abandonnera jamais, bien aimé. Qui ne te délaissera jamais. Qui ne te laissera jamais dans tes problèmes. Il y a toujours une solution à tes problèmes. C'est ça, bien aimé. Fais confiance en Dieu. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas croire à ta place. C'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place de quelqu'un. Nous bénissons le Seigneur pour notre soeur chez nous. Nous bénissons aussi le Seigneur pour nos soeurs et nos frères qui vont se marier. Mais il n'est pas possible, bien aimé, de venir se marier à la place de quelqu'un. C'est même pas possible. C'est-à-dire que, imaginons que notre frère Trésor est malade ce jour-là. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Que on y, on adore un remplaçant, c'est pas possible.
On peut t'exhorter, on peut te donner des encouragements. Mais c'est à toi-même de faire confiance en ce Dieu. De t'accrocher à ce Dieu. Alléluia. C'est ta responsabilité. Alléluia. Amen. C'est ta responsabilité. Es ist deine Verantwortung. De croire que Dieu fera ce qu'il t'a dit. Zu glauben, dass Gott de toute confiance. Was er gesagt hat. Alléluia. Amen. Le prophète dit que si la promesse tarde. Der Prophet sagt, wenn das Versprechen dauert. La Bible continue à dire que dann warte. Parce que ça accomplira certainement. Denn das Versprechen wird sich sicherlich erfüllen. Alléluia. Amen. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Das ist es, an Gott Vertrauen zu haben. Alléluia. Amen. Faire confiance en Dieu que Gott Dieu agira dans ta situation. Wissen, dass Gott wirken wird für deine Situation. Dieu est avec toi. Dass Gott mit dir ist. C'est ton devoir. Es ist deine Aufgabe. Personne ne peut croire à ta place, frère. Keiner kann an deiner Stelle glauben. Personne ne peut croire à ta place, ma chère. Keiner kann an deiner Stelle glauben. Personne, oh Dieu, ne peut avoir confiance en Dieu à ta place. Gott an deiner Stelle vertrauen. C'est ta responsabilité. Es ist deine Verantwortung. Pour lui faire confiance. Tout le long du chemin. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des épreuves sur le chemin. Ich weiß, die Herausforderungen. Nous en parlerons tout à l'heure. Wir werden darüber sprechen. Mais pour toi, aber für dich, continue à lui faire confiance. Alors, was dich betrifft, vertraue ihm weiter. Für deine Situation. Die Situation, dans laquelle tu es. Die Situation, in der du dich befindest. Wir haben gesehen, wie Gott unseren Vater gesegnet hat. Wie Gott unsere Schwester Sarah gesegnet hat. Gott ist wahrhaftig. Gott ist wahrhaftig. Dieu est vrai. Gott ist wahrhaftig. Dieu est vrai, Père. Gott ist wahr. Faire confiance en ce Dieu. Amen. C'est la base, c'est le début. Es ist der Beginn. Le début vraiment de ta responsabilité. Deiner Verantwortung. Faire confiance en ce Dieu. Diesem Gott zu vertrauen. Savoir qu'il agira toujours dans ta situation. Wissen, dass er immer wirken wird in deiner Situation. Alléluia. Amen. La responsabilité, voilà, faire confiance en Dieu. Gott vertrauen. Alléluia. Amen. Le deuxième point que je voudrais aborder. Punkt Nummer 2. C'est la responsabilité de prier. Die Verantwortung zu beten. Et d'engager des actions nécessaires pour l'exaucement. Und auch die wichtigen Handlungen zu machen für die Erhörung des Gebets. C'est-à-dire la responsabilité de prier. Die Verantwortung zu beten. Et d'engager des actions nécessaires. Und notwendige Handlungen ausüben. Pour l'exaucement. Für die Erhörung. Amen. Amen. Nous voulons lire Jacques 5, verset 13 au verset 14. Jakobus 5, vers 13 bis 14. Jacques 5. Jakobus 5. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, bien. Ouvrons notre Bible. Jacques 5, verset 13 au verset 14. Jakobus 5, vers 13 bis 14. Nous allons lire. Wir werden lesen. La Bible dit. Die Bibel sagt. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ist jemand unter euch krank? Donc la Bible sous-entend que tu peux tomber malade. Dass die Bibel weiß, dass du krank werden kannst. Non. Commençons verset 13. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Leidet jemand unter euch? C'est-à-dire que la Bible sous-entend que tu peux être dans la souffrance. Dass die Bibel weiß, dass du leid sein kannst. Amen. La Bible dit qui prie? Die Person soll beten. C'est-à-dire que si tu es dans une situation de souffrance, du leidest, tu dois prier. Dann sollst du beten. Alléluia. La Bible ne dit pas que tu dois aller commencer à te plaindre. Die Bibel sagt, dass du dich beschweren sollst. Que tu dois aller commencer à raconter ta vie aux gens. Und deine Geschichte anderen Leuten erzählen. C'est l'erreur que les gens font. Aber es ist der Fehler, den die Leute machen. Autrement, ils ont des problèmes. Wenn die Probleme haben, au lieu de prier comme la Bible dit, ils beten, wie die Bibel sagt. Ils commencent à raconter leurs histoires. Dann die anderen Geschichten Leuten zu erzählen. Quelqu'un est dans la souffrance de la Bible. Wenn jemand unter euch leidet, dann soll er beten dans die Bibel. Quelqu'un est-il dans la joie? Hat eine große Freude? Qu'il chante les cantiques. Dann soll er Loblieder singen. C'est ça ce que la Bible nous dit. C'est ça ta responsabilité. Das ist deine Verantwortung, sagt die Bibel. Nous bénissons le Seigneur pour les intercesseurs. Wir segnen den Herrn für die Fürbitter. Je te dis que quelqu'un, personne ne peut mieux prier pour toi que toi-même. Aber sagen die, keiner kann besser für dich beten als du selbst. Quelqu'un ne peut pas bien prier pour toi que toi-même. Parce que c'est toi qui connais ta situation. C'est toi qui connais la souffrance dans laquelle tu es. Alléluia. La Bible dit qu'il prie s'il y a la souffrance. Wenn man leidet, soll man beten, sagt die Bibel. La Bible dit qu'il doit se plaindre. Alléluia. Il sagt, nicht, dass er sich beschwert. Quelqu'un dans la joie. Ist jemand in der Freude? Qui chante les cantiques. Soll er Loblieder singen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ist jemand unter euch krank? Parce que tu peux tomber malade, frère. Et du kannst krank werden. Tu peux devenir, tu peux être là où tu ne peux pas, tu es malade. Wenn du so krank, wo du gleich la Bible dit.
Qu'il appelle les anciens de l'église. So that he reminded Elijah. Et les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. So en moyen d'huile au nom du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque tu es dans ces trois situations, tu ne dois pas te retirer de l'église. Tu dois prier. Tu dois chercher l'aide des anciens de l'église. C'est ça ta responsabilité. De chercher l'aide des anciens de l'église. Pour qu'ils puissent prier pour toi. En prenant d'huile. Et non te déconnecter de la présence de Dieu. Et non chercher de voir des moyens qui ne glorifient pas Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? C'est ça ta responsabilité. Personne ne peut le faire à ta place. Tu es sur la responsabilité. La Bible te dit de prier. Et non abandonner la foi. Et non rentrer dans le monde. Parce que la Bible dit qu'il y a des moments de souffrance. Alléluia. Je me souviens que ça fait maintenant un an que nous sommes dans la pandémie, n'est-ce pas? C'était en mars qu'on a commencé le lockdown. Bon, le monde entier, d'une manière ou d'une autre, est dans une souffrance. Mais la Bible ne dit pas que nous devons nous plaindre quand nous sommes dans la pandémie. La Bible ne parle pas précisément de la pandémie. Mais la Bible parle des choses semblables. Alléluia. Que nous devons prier. Dans ce temps de pandémie, frère, tu dois arriver dans la prière. C'est ça ta responsabilité. Personne ne va faire ça à ta place. Ne dis pas, oh, Dieu m'a donné le nom. La Bible dit que nous sommes oubliés avec Dieu. C'est-à-dire que si tu es en train de construire une maison avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu est le maçon A. Donc le maçon A, et toi tu es le maçon B. Amen. Le maçon, c'est-à-dire que vous êtes en train de construire une maison. Dieu commence déjà à mettre, n'est-ce pas, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là ce matin? Toi aussi, tu dois œuvrer avec Jésus. Tu dois aussi mettre une deuxième pierre. Tu dois mettre des parfums. Si tu ne mets pas des parfums, si tu ne contribues pas à la construction, tu vas t'étonner qu'après 10 ans, après 15 ans, la maison n'est pas encore construite. Est-ce que tu es là ce matin? Parce que tu n'as pas fait ton devoir. Et au moment que tu ne fais pas ton devoir, ou tu ne prends pas ta responsabilité, je viens te dire ce matin, frère, que Dieu ne fera pas ton travail. La Bible dit que nous sommes oubliés avec Dieu. Dieu te donne une grande responsabilité. Nous sommes des dieux. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais malgré cela, nous mourons comme ça. Parce que Dieu te fait tellement confiance qu'il te donne une bonne partie du travail. Si bien que si tu n'avances pas, Dieu n'avance pas. Ne dis pas que ma vie n'avance pas. Non. Ta vie avance quand tu avances avec Dieu. Ta vie avance lorsque tu mets les parfums. Ta vie avance lorsque tu pries. Ta vie avance lorsque tu marches dans la volonté de Dieu. Ta vie avance lorsque tu fais confiance à Dieu. Nous sommes ouverts avec Dieu. Nous sommes des partenaires. Tu ne fais pas ton travail. Le tout du travail ne sera pas fait. N'attends pas de Dieu que Dieu fasse à ta place. Dieu ne viendra pas prier pour toi. Dieu ne viendra pas intercéder pour toi. Alléluia. C'est toi qui dois prier. Tu ne dois pas abandonner le lieu de prière pour rentrer dans les choses du monde. Parce qu'il y a la pandémie. Parce que les choses ne marchent pas. Parce qu'il n'y a plus de travail. Parce qu'il n'y a pas de fiancé. Parce que tu es malade. C'est ta responsabilité de prendre les choses en main et d'apporter ta contribution à Dieu. Vous savez, Dieu donne beaucoup de responsabilités alors. Vous savez, Dieu peut agir de façon surnaturelle. Mais Dieu aimerait toujours inclure la contribution de l'homme. Est-ce que vous êtes là ce matin? Jésus-Christ aurait pu par lui-même faire la multiplication des pains et des poissons. Mais il a demandé aux disciples, mais qu'est-ce qu'il y a là contre? C'est moi qui ai paraphrasé.
Amen. Je paraphrase. Ich werde jetzt zitieren. Amen. Je paraphrase. Est-ce qu'il y a une contribution des hommes pour que je fasse un miracle? Est-ce qu'il y a une contribution des hommes pour que je fasse un miracle? Il n'y a que peu de poissons et peu de pain. Zwei Fische und vous avez la contribution de l'homme pour que Dieu fasse un miracle. Ma soeur, pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie, tu vas d'abord lui faire confiance. Pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie, tu vas prier. Pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie, tu dois te rappeler à lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Du moment où tu ne feras pas ton travail, le travail ne sera pas fait du tout. Dieu t'attend toujours. Oh Dieu, tu es patient, mon frère. Tu es trop patient, mon pasteur. Dieu t'attendra même, je sais pas quel âge tu as. Il t'attendra même 30 ans. Il t'attendra même 40 ans. Dieu est Dieu, Dieu est éternel. Du moment où tu ne feras pas ton travail, Dieu ne fera pas tout à l'heure. Mais parce que tu t'aimes beaucoup, il utilise ses serviteurs pour venir t'exhorter. T'exhorter ce matin à faire ton travail. À faire ton travail. À prendre ta responsabilité. À ne pas fuir devant les obstacles. Alléluia. Le troisième point que nous voulons aborder. Punkt Nummer 3. Un point très important, frère. Ein wichtiger Punkt. La responsabilité de reconnaître l'influence du monde des ténèbres. Die Verantwortung, den Einfluss der Unterwelt, der Welt der Finsternis erkennen. La responsabilité de reconnaître l'influence du monde des ténèbres. Die Verantwortung, den Einfluss der Welt der Finsternis zu kennen. Alléluia. La responsabilité de reconnaître l'influence du monde des ténèbres. Der Welt der Finsternis zu kennen. Bien aimé, nous ne devons pas prendre l'ennemi à la légère. Wir dürfen den Feind nicht leichtsinnig nehmen. La Bible nous dit qu'il est très rusé. Wie gesagt, er ist sehr listig. Amen. Et il est aussi malin, c'est-à-dire il a beaucoup d'expérience. Und er ist auch sehr viel Erfahrung. Il a beaucoup d'expérience. Er hat viel Erfahrung. Parce qu'il vit depuis très longtemps. Weil er schon sehr lange lebt. Il a tenté Adam, David et tous ces gens. Il a beaucoup d'expérience. Il a tenté beaucoup de serviteurs de Dieu. Il a eu beaucoup de succès souvent. Ne méprise pas ton ennemi, bien-aimé. Ne le méprise pas. Le diable a une puissance. Je sais que c'est lui qui est en nous. Ich weiß, wer in uns ist. Et plus fort que celui qui est en nous. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le négliger. Dass du ihn vernachlässigen. Non. Si tu le négliges, tu seras très très surpris, mon frère. Wenn du ihn vernachlässigst, wirst du überrascht. Tu seras très très surpris. Du wirst sehr überrascht sein. Alléluia. La Bible nous dit, afin de ne pas laisser l'avantage. Damit wir nicht dem Teufel den Vorteil überlassen. 2 Korinther 2, Vers 11. La Bible ne dit pas que. Die Bibel sagt nicht. Qui nous donne là le pouvoir sur les ténèbres. Non. Il affiche ça aussi, mais la Bible dit qu'il nous donne le pouvoir sur la puissance des ténèbres. C'est une différence. Aber er hat die Macht über die Mächte der Finsternis. Ça veut dire, frère. Das heißt, que même la Bible. Dass selbst die Bibel. Reconnaît que le diable a une puissance. Erkennt, dass der Teufel eine Macht hat. Amen. La Bible reconnaît que le diable a une puissance. Die Bibel erkennt, dass der Teufel eine Macht hat. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Die Bibel sagt, ich gebe euch die Macht. De marcher sur les serpents. Über Schlangen. Et les scorpions. Und Skorpionen. Écoutez-moi. Et sur la puissance. Und über die Macht. Si la Bible dit sur la puissance. Wenn die Bibel sagt, über die Macht. C'est qu'il y a une puissance là-dedans. Das heißt, da gibt es eine Macht, die der Finsternis. C'est qu'il y a une puissance à l'intérieur. Also gibt es eine Macht da drin. Je ne suis pas en train de vanter le diable. Ich möchte den Teufel nicht vanter. Mais je dois prendre. Aber ich möchte. Très, très au sérieux. Dass du es ernst. Il y a des gens qui vivent comme si le diable n'existe pas. Leute, die leben dans la désordre. Ils vivent dans la désordre. Je vais te dire ce matin. Tu le sais. Le diable existe. Der Teufel existe. Und die Dämonen existieren auch. Halleluja. Bien-aimé, jamais l'ennemi. Also, verringere nicht den Teufel. Bien-aimé, jamais l'ennemi. Unterschätze ihn nicht. Parce que, on t'a dit que. Parce que. Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Die Schöpfung, das sind die alten Dinge vergangen. Les choses anciennes sont passées parce que tu es au ciel. Aber die Himmel gehen wird. Tu es au ciel. Du wirst in den Himmel gehen. Ne
passion. Aber wenn du dich aufpasst, si tu méprises, comme on a dit, l'influence de l'ennemi dans ta vie. Die an den ersten Teufel unterschätzt, der böse überrascht. Es gibt Geister, die deine Gnade bekämpfen. Il y a des esprits qui combattent tes chances. Es gibt Geister, die Zeit. Il y a des esprits qui combattent ta percée. Und es gibt Feinde, die deinen Fortschritt bekämpfen. Alléluia. Oui, frère. Ja. Moi, je t'ai déjà dit, j'ai déjà dit, il n'y a aucun village africain où il n'y a pas la sorcellerie. Es gibt kein afrikanisches Dorf, wo es keine Hexerei gibt. Je m'en fous, frère, si, même si vous tous vous êtes enfants, il n'y a que des prédicateurs, des bishops, je m'en fous. Même si tu as marché dans ton village et que tu n'as vu aucun sorcier, même si on t'a dit que tous les sorciers sont morts, il y a l'esprit de la sorcellerie qui agit. En tant qu'enfant de Dieu, und als Kind Gottes, ne méprise jamais l'influence du monde des ténèbres. Ne unterschätze diese Macht der Unterwelt, der Welt der Finsternis nicht. Est-ce qu'on ensemble ce matin? Amen. Je sais, frère. Je sais. Que toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Mais toutes ces alliances que tes grands-pères, tes grands-mères ont faites dans les années, pourquoi est-ce qu'on continue à te suivre dans tes rêves? Pourquoi les gens viennent t'agresser la nuit? Pourquoi? N'est-ce pas tu es enfant de Dieu? Nous devons reconnaître ces choses. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Alléluia. Nous devons reconnaître que ce n'est pas que le diable est plus fort que nous, mais nous devons reconnaître qu'il y a ici une influence. Nous devons reconnaître qu'il y a ici une influence. Nous devons vivre dans le désordre. De toute façon, Dieu nous pardonne. De toute façon, Dieu nous pardonne. Non. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a aussi nos propres péchés qui nous ouvrent les portes. C'est donc notre propre sünde, die Tür. Nos propres péchés, sans compter ce que nos arrière-grands-pères ont fait. Ne méprise pas l'influence des ténèbres. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que tout le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Unter der Macht des Feindes liegt. Vous avez lu ça dans la Bible? Hat es in der Bibel gelesen? Ça n'avait pas dit que. Es heißt nicht. Que le diable est plus fort que Satan, non. Que le diable est plus fort que Satan, non. Ça veut pas dire que le diable est plus fort que Satan. Ça ne veut pas dire que. Que le diable est plus fort que Satan. Que le diable est plus fort que Dieu, pardon. Que le diable est plus fort. Que le diable est plus fort que Dieu. Excusez-moi. Ça veut juste dire que il y a une grande influence que l'ennemi a sur cette terre. Que le monde entier est sous la puissance de Dieu. Gesagt, dass die ganze Welt unter der Macht des Feindes liegt. Amen. Amen. Vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire. Amen. 1 Jean 5. 1 Johannes. 1 Jean 5. 1 Johannes 5. Verset 19. Vers 19. La Bible dit. Die Bibel sagt. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ils wissen, dass wir von Gott sind. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Unter der Macht des Feindes liegt. Donc, même la Bible reconnaît qu'il y a une influence de l'ennemi sur le monde entier. Das heißt, die Bibel erkennt, dass der Feind eine Macht hat über die ganze Welt. Amen. Amen. Nous avons le mystère de l'iniquité. Wir haben das Geheimnis der Ungerechtigkeit. Aujourd'hui, heute, c'est très normal d'avoir. Ist es normal? Excusez-moi, de dire quelqu'un qui a un double sexe et qui devient un ministre. Ja, jemand zu sehen, der zweigeschlechtlich ist und trotzdem Minister. Mais qui a changé son sexe. Oder der seine Geschlecht geändert hat. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Und das ist alles der Kirche der Ungerechtigkeit. Derrière cela. Und dahinter wirkt jemand. Alléluia. Bon, mon frère, ma soeur, also, ne méprise pas. C'est-à-dire l'influence. Vernachlässige oder verschätze nicht. L'influence du monde des ténèbres. L'influence der Macht des Ténèbres. Dans ta relation avec Dieu. In deiner Beziehung mit Gott. Alléluia. Nous voulons voir le prochain point qui est aussi un point très important.
qui est la responsabilité de reconnaître l'influence de l'argent. Die Verantwortung, den Einfluss des Geldes zu kennen. Amen. Bien-aimé, la responsabilité de reconnaître l'influence de l'argent dans ta vie. Die Verantwortung, den Einfluss des Geldes in deinem Leben zu kennen. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, mais la Bible ne dit pas que l'argent est une racine de tous les maux. La Bible ne dit pas que l'argent est une racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Amen. Vous savez, ce mot, l'amour de l'argent, c'est un seul mot en grec. Donc, c'est le mot c'est Philagouria. Donc c'est un mot qui veut dire l'amour de l'argent. Amen. Bien-aimé, ne méprise pas l'influence de l'argent sur ta vie. Si tu méprises l'influence de l'argent sur ta vie, tu risques de devenir esclave de l'argent. Bien-aimé, vous savez, je suis venu ici comme tous les gens, étudiant. Et il y a certains boulots que quand j'étais étudiant, je n'acceptais pas. Amen. Je ne les acceptais pas tout simplement. Amen. Donc, tu dois savoir que l'argent a une grande influence. Non, l'argent n'est pas influencé. Non, tu n'as pas encore vu l'argent, mon frère. Quand tu vas voir l'argent, on te montre l'argent comme ça. On te montre 1 million d'euros. Tu vas commencer à bégayer. Vous riez. L'influence de l'argent sur le Christ. Vous ne savez pas comment est-ce que certains hommes de Dieu ont changé leur message à cause de l'argent. Ne prends pas l'argent à la légère. Tu dois avoir une bonne relation avec l'argent. Savoir que l'argent est un esprit aussi. Parce que les gens ne viennent pas à l'église, pourquoi? Écoutez, si on te dit aujourd'hui, je te donne 30 000 euros, et tu ne viens pas à l'église, je connais ta réaction, tu vas refuser. On est ensemble. Tu vas dire, non, j'aime beaucoup Dieu. Non, je pense que c'est 30 000 euros. Il n'a même pas encore augmenté son offre. Tu me dis que si la même personne te donne le travail, il te dit que je te donne le même salaire et chaque dimanche tu travailles. Tu vas accepter. C'est la même chose. Que les gens ne se sentent pas touchés. Je sais qu'il y a des gens qui doivent travailler le dimanche. Amen. Donc, je sais qu'il y a des gens, par exemple la médecine, doivent travailler le dimanche. Ou les gens qui font des vigiles, ils doivent travailler 24 heures sur 24. Moi, je vous dis qu'il y a des boulots que je n'acceptais pas. Je n'accepte pas. Amen. Je n'acceptais pas. Parce que j'ai des jobs comme mon frère parce que je devais travailler le dimanche. Non. Alléluia. L'argent ne doit pas influencer ma relation avec Dieu. Est-ce que tu as une réduction sur God? Il ne s'agit pas de gagner l'argent n'importe comment. Est-ce que tu as une vie sous ta vie? Il s'agit de gagner l'argent en honorant Dieu. Qu'est-ce que tu as de là? Ce n'est pas que je gagne ma vie coûte que coûte. Non, frère. Tu ne peux pas gagner ta vie coûte que coûte. Il y a comment gagner son argent? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Moi, je n'accepte pas ce genre de job. Je ne dis pas encore donner à Dieu toutes ces choses-là, non. Mais je vais dire simplement que l'argent peut t'influencer profondément. Ceux qui font les affaires.
wenn du Geschäfte machst. D'autres même ne, c'est-à-dire que ne marchent même plus, c'est-à-dire qu'ils ne font même plus ce qui est juste. Juste andere pour gagner une affaire. Arbeiten nicht was mehr richtig oder ja, laut c'est-à-dire leur conscience, chrétienne est éteinte. Das heißt, ihr christliches Gewissen ist einfach ausgeschaltet. Und das nur wegen Geld. Amen. Amen. Business n'est pas très pauvre. Mein Business ist nicht so ganz frei. Aber ich muss einfach machen. Je ne peux pas rater ce business. Ich kann das nicht verpassen. Mais comment tu sais que ce n'est pas pauvre? Du weißt ja, dass es nicht rein ist. Ich habe dir gesagt, dass es nicht rein ist. Pour gagner l'argent, en honorant Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Moi je ne sais pas si tu es là. Pour moi ce n'est même pas un sujet. Es ist kein Thema. Oui, je n'accepte pas. Je n'accepte pas parce que moi je ne peux même pas l'imaginer. Je ne peux pas. J'ai dit, je ne suis pas en train d'insulter des gens. Non. Je ne peux pas. Mais je parle de moi-même. Alors, je ne peux pas le faire pour moi. C'est mon eigenes Zeug. Das Geld kann ich sehr beeinflussen. Alléluia. Il y a des gens qui se séparent à cause de l'argent. Alle trennen sich wegen des Geldes. Bien-aimé, essaye d'avoir une très bonne relation avec l'argent. Versuche eine gute Beziehung mit Geld zu haben. Alléluia. Un bon Beziehung mit Geld zu haben. L'argent, je disais à maman, j'avais que les dépenses en euros finissent vite. Tu as l'argent, tu as les dépenses. Tu as gehe schnell aus. Amen. Du hast mal das Geld gebraucht, du musst suchen, um Geld zu finden. Amen. Bien-aimé, l'argent a une grande influence sur ta vie. Geld hat einen großen Einfluss auf dein Leben. Tout ce que je te dis là, c'est juste pour aider. Was ich dir sage, ist nur um dein Gewissen zu wecken. Je ne peux pas prendre ces choses à la légère. Und die Dinge nicht einfach leicht zu nehmen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez qu'il y a des gens, excusez-moi, qui sont allés à la prostitution à cause de l'argent. Alors, tu prostitues wegen des Geldes. Ouais, excusez-moi, les prostituées, c'est à cause de l'argent. Es ist doch alles wegen Geld. Ça coûte de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il faut gagner leur vie. Ils doivent gagner leur unterhalt bezahlen. Quand tu es dans les problèmes, et ça te faut qu'on accorde aux bouts. Les pensées te viennent à la tête. Qui ne glorifie pas Dieu. Qui ne glorifie pas Dieu. Quand tu es dans la pression financière, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Und du brauchst et tu n'as pas d'argent. Und die brauchen Geld. Quelles sont les pensées qui te montrent l'esprit? Welche Gedanken steigen deinen Geist auf? L'argent est bien. Geld ist gut. Alléluia. Mais c'est l'amour de l'argent. Aber die Liebe zu Geld. Comme dit la Bible. Die Bibel sagt. Alléluia. Tu dois gagner de l'argent. Du musst Geld verdienen, ja. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Du musst auch viel Geld haben. Ma prière, c'est que Dieu te donne beaucoup d'argent. Weil du das Wort des Gottes hast. Avec parce que quand tu viens, si tu ne fais pas attention, c'est un peu comme une bascule. C'est-à-dire, tu peux passer de maître à esclave. Du kannst von Meister zu Sklave leicht übergehen. Amen. Amen. Tu peux passer de maître à esclave. Du kannst leicht von Meister des Geldes zu Sklave des Geldes. Fais attention. C'est-à-dire, l'argent peut transformer même ta foi. Es hat deinen Glauben sogar verändern. Il y a des gens qui sont obsédés de l'argent. Ils veulent absolument, ils brûlent pour avoir de l'argent. Andere sind ja süchtig, die brennen. Ils veulent avoir coûte que coûte. Ils veulent unbedingt das Geld haben. Fais attention, frère. Passe auf. L'argent peut détourner très très mal. Es kann dich schnell umbringen. L'argent peut changer, transformer ton caractère. Dein Charakter verändern. Alléluia. Parce qu'en fait, il y a un esprit derrière l'argent. Et c'est une influence sur toi. Et c'est un esprit. Pourquoi les gens ne viennent pas l'église? Parce qu'ils doivent travailler le dimanche. C'est tout. Das war's. Moi, je vous ai dit, moi, quand j'étais étudiant, ich hatte Geld La responsabilité, c'est le cinquième point. La responsabilité de la communion fraternelle. Bien-aimé, la communion fraternelle est très importante. Ne méprisons pas la communion fraternelle. Ne méprisons pas le fait que tu es assis à côté de ton frère. Ne méprisons pas le fait que nous sommes assis ensemble. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 133. Qui est pour
bon et agréable. Dass es gut ist. Pour les frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Für die Geschwister zusammen zu verbleiben. N'est-ce pas la Bible le dit? Die Bibel sagt es, nicht wahr? La Bible dit que c'est comme l'huile qui coule sur la tête de Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Öl, das über den Bart von Aaron fließt und dann an ihm fließt. Den anderen. La Bible continue, c'est là que l'Éternel apporte. Und dort geht der Herr. La bénédiction. Und Segen. Bien aimé. Il y a des bénédictions que tu ne peux qu'avoir dans la maison de Dieu. C'est là que tu apportes la bénédiction. Je vais vous dire encore une chose. J'ai joué au basket jusqu'en 2009. J'ai joué dans un club. 2009 basketball. Et on jouait le dimanche à 16h. Und wir haben sonntags um 16 Uhr gespielt. Okay, ich muss die Masse wissen, die Rache, ich bin schwierig. Am Sonntag 16 Uhr stört mich nicht. Parce que je vais au culte, je rentre. Ich gehe zum Gottesdienst. Et on devait être là 2 heures avant le début du match. Und wir mussten 2 Stunden vorher ankommen. 2 heures avant le début du match. C'est comme ça, 2 heures. Donc, je n'ai pas 2 heures avant le début du match. Wenn du 2 Stunden früher nicht kommst, dann kannst du es vergessen. Mais il y a parfois, on avait des matchs à 10h, 11h. Und manchmal hatten wir dann Spiele, oder eher doch, um 10, 11 Uhr. Und dann, nein. Je joue pas. Ich spiele nicht. Je ne joue pas parce que moi je suis un chrétien. Weil ich Christe bin. Parce que ma relation avec Dieu, je dois être à l'église. Und ich muss in der Gemeinde sein. Est-ce que vous êtes là ce matin? Bien aimé, si tu viens ici, tu ne me trouves pas. Wenn du hierher kommst und mich nicht findest. Bien aimé, je ne peux pas manquer le culte. Ich kann nicht fehlen. Je ne peux pas manquer le culte. Ich kann im Gottesdienst nicht fehlen. Je manque le culte, pasteur. Das ist mal, wo ich gefehlt habe, pasteur. C'est en juin 2019. Das war Juli 2019. J'étais allé chez mon cousin. Ich war bei meinem Cousin. Ich war im Urlaub. Bien aimé, lorsque le dimanche est arrivé, je vous Als der Sonntag angekommen ist, j'étais mal. Mir ging es schlecht. J'étais à 800 km de Bochum. Ich war 800 km von Bochum entfernt. J'étais mal à l'aise. Aber ich fühlte mich unwohl. J'étais très, très mal à l'aise. Ich fühlte mich sehr unwohl. Je vous parle de moi. Ich spreche von mir selbst. J'étais loin de l'église. Ich war weit weg von der Gemeinde. Les gens savaient que j'étais pas à l'église. Die Leute wussten, dass ich nicht da bin. Mais j'étais toujours mal à l'aise. Aber ich fühlte mich trotzdem unwohl. Est-ce que vous comprenez? J'étais mal à l'aise. Ich fühlte mich unwohl. Moi, je ne peux pas rester à la maison. Ich kann nicht zu Hause so bleiben, einfach so. À cause de la maison de Luther. Aufgrund des Hauses de Luther. C'est de la maison de Luther. Je ne peux pas manquer le culte. Ich kann natürlich am Gottesdienst fehlen. Niemals. Je peux jamais marquer le coup. Jamais. Même quand j'étais en Afrique. Ah, c'est en Afrique, hein? Même le bac, quand j'étais le bac, j'étais au coup. Ah, c'est en Afrique, hein? C'est en Afrique, hein? Quand je faisais, à l'époque, c'est le diplôme, maintenant c'est le bachelor. Quand j'étais toujours au coup. J'étais toujours au coup. Moi, je ne sais pas comment marquer le coup. Je ne connais pas ça. Je vais faire mal au coup. Je n'ai jamais eu cette éducation. Je n'ai jamais vécu comme ça. J'ai entendu que les organisations, là. À cause de la communion fraternelle. Tu peux rester loin de la maison. Parce que moi, ce dimanche, j'étais très mal. Et j'avais vraiment une très bonne raison. Amen. Mais pas une bonne raison, mon frère. J'étais toujours mal à l'aise. Comment quelqu'un peut rester à la maison? Non. Mon troisième la communion fraternelle. Ne pas la maison pour la communion fraternelle. La Bible dit que les apôtres persévéraient dans leurs enseignements des apôtres. Ils étaient toujours ensemble. Die waren immer zusammen. Die hatten die Gemeinschaft. Alors, tu veux me dire, si tu ne connais pas Corona. Ach, ich sage auch, Pastor, Elsa, du kennst doch Corona nicht. Nous devons avoir les distanciations. Nous devons rester à la maison. Wir müssen zu Hause bleiben. Je sais, nous respectons les lois. Wir respektieren die Gesetze. Nous portons les masques et toutes ces choses. Wir tragen Masken und so weiter. Nous respectons les choses. Wir respektieren les choses. Aber es heißt ja, wir nicht in die Gemeinde. Nein, nous ne trompons pas.
Ça veut dire que tu ne viens pas à l'église. Est-ce qu'il y a même la distanciation dans le train? Gibt es überhaupt Abstände im Zug? Les gens qui prennent le train. Est-ce qu'il y a la distanciation dans le train? Dans les bus, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Gibt es das? Ne me trompez pas, frère. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux, frère. Tu n'es pas sérieux, mon soeur. Pourquoi tu veux seulement la distanciation? Est-ce que là-bas, au bus, que tu peux observer la distanciation? Ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas propre. Et rien, c'est ça. Une chose que la Bible dit, David dit une chose que je désire ardemment. C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ce plaisir d'être dans la maison. C'est le diable qui t'éloigne de la maison. C'est le diable qui te met cette patrie dans la tête. C'est le diable. C'est le diable. La distanciation, bien masse, ne peut pas dire que nous ne venons pas les deux. Amen. Nous avons la distanciation. Bon, moi, je ne porte pas le masque, bon, parce que c'est quand même agréable de parler sans masque. Amen. Si je ne prête pas, j'ai mon masque. Alléluia. Amen. Qui est mon frère? T'amène de la forme avec Dieu. Cette bâtie verte, cette bâtie. Tu ne peux pas être quelqu'un qui manque le culte comme ça. Et croire demain devenir un bishop. La bénédiction de Dieu, c'est dans sa maison. Nous ne manquons pas le culte, frère. Nous ne manquons pas le culte, ma soeur. Parce que moi, je n'ai pas su jamais manquer le culte. Amen. Si vous ne me voyez pas, je serai là. Si tu ne me vois pas, je serai là. Je vous dis une chose. Si tu ne me vois pas ici à l'église, je serai là. Je ne peux jamais marquer le culte. Parce que je n'ai jamais marqué le culte. Parce que je connais l'importance de la communion. Je loin de la maison de Dieu. Je suis très mal à l'aise. Et je suis à l'aise quand je suis dans la maison. Und ich fühle mich wohl im Haus Gottes. Alléluia. Amen. La prochaine responsabilité, nächste Verantwortung, le sixième point, Punkt Nummer 6, c'est la responsabilité d'être fidèle. Die Verantwortung, treu zu sein. Et de prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Amen. Und das Werk Gottes ernst zu nehmen. Amen. Amen. Bien, mais je veux d'abord vous dire que servir Dieu, c'est une très grande responsabilité. C'est comme si Dieu t'a choisi comme ça. Parmi tes amis avec lesquels tu es. C'est lui qui t'a d'abord donné une très grande responsabilité. Et je continue à dire que servir Dieu, c'est un job que tu fais pour le temps. C'est un job qui fait 4 heures sur 24. Est-ce que nous sommes là ce matin? C'est un job que tu fais 24 heures sur 24. Être un enfant de Dieu, c'est un job de 24 heures sur 24. C'est un job que tu fais tout le temps. Parce que Dieu t'a confié une grande responsabilité. Jérémie 48. Et c'est ce que la Bible dit par rapport à l'œuvre de Dieu. La Bible dit, Jérémie 48, verset 10. Tu as trouvé le verset? C'est la Bible qui dit, maudit soit celui qui fait. Avec l'exigence de l'Éternel. Mais aber Gottes mit Nachlässigkeit. Soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien aimé, ne méprisons pas la parole de Dieu. Parce que si la Bible est maudite, c'est vraiment maudit. Vous comprenez, non? Ce n'est pas la blague. Amen. Si la Bible est maudite, c'est que tu seras vraiment maudit. Prenons ça au sérieux. Nous sommes aujourd'hui pour prendre nos responsabilités. Amen. Maudit, c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu avec l'intelligence. Verflucht sei der, der meine Arbeit mit Verdacht, mit Verdacht. Du musst ernst sein im Werk Gottes. Du musst treu sein in den Dingen.
statut, mon frère. C'est quoi ton statut? On te voit aujourd'hui, on te voit toi, moi. Tu vas être fidèle dans le monde. Alléluia. La fidélité de Dieu. Die Treue. Parce que Dieu lui est fidèle. God selbst ist treu. Les choses comme j'ai dit ici, les choses que Dieu nous demande de devenir. Die Dinge, die Gott, c'est que ces choses Dieu l'a déjà. Dieu l'a déjà. Dieu te demande d'être fidèle parce que Dieu est fidèle. Quand j'ai dit au début, il faut faire confiance en Dieu. Et maintenant Dieu te dit d'être fidèle. Quand Dieu est fidèle. Diese Treue selbst ist auch treu. Amen. Être fidèle dans l'œuvre. Treu sein im Werk Gottes. Ne pas abandonner l'œuvre de Dieu. Sein Werk nicht aufgeben. Moi, je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu. Ich kann die Arbeit Gottes nicht aufgeben. Je ne peux pas abandonner l'œuvre. Nein. Alléluia. Je ne peux pas. Ich kann das nicht. Je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu. Ich kann das nicht. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être loin de l'œuvre de Dieu. Ich kann nicht weit weg vom Werk Gottes sein. Nein. Amen. Je ne peux pas me distancer des choses de Dieu. Aber ich distanziere mich von der Arbeit Gottes. Non. Nein. Parce que je ne le fais pas. Amen. Je ne fais pas ces choses-là. Je veux dire quelque chose. Donc je ne prêche parce que je ne le fais pas. Amen. Amen. Je ne prêche parce que je ne le fais pas. Ich predige nicht, was ich aber nicht tue. Donc je prêche, c'est que moi-même je fais. Ich predige, was ich aber nicht tue. Tu dois être fidèle. Die Verantwortung ist es auch treu. Fidèle. Prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Und dafür Gottes ernst nehmen. Parce que la Bible dit. Und die Bibel sagt. Maudit. Verflucht. Soit. Sei celui qui fait l'œuvre de Dieu. Derjenige, der das Werk Gottes nachlässig macht. Est-ce que ton blocage ne vient pas des sorciers? Vielleicht nicht, parce que tu ne prends pas l'œuvre de Dieu. Aber vielleicht einfach weil du die Arbeit Gottes nicht ernst nimmst. Tu t'en fous. Es ist dir egal. Les autres vont faire. Pastor ist. Ihr wisst, Pastor ist. Er hat den Herrn verherrlicht.
Und acht Tage danach stirbt das Kind. Geliebten. Herausforderungen sind Teil deines Lebens. C'est ton devoir. Und es ist deine Aufgabe, supporter ces épreuves. Diese Herausforderungen auszuhalten. Moi, je l'ai exhorté comme je pouvais l'exhorter. Ich habe ihn ermutigt, wie ich es tun konnte. Je lui ai dit, ich habe ihn gesagt, ich habe dafür gewählt, für euch beten. Mais ce n'est pas moi qui vais supporter la douleur à sa place. C'est lui et sa femme qui vont supporter diesen Schmerz. C'est leur histoire. Das ist deren Geschichte. Amen. Welche Herausforderungen hast du gerade in deinem Leben? Tu vas demander au Seigneur. Nous avons fait une seule prière. Cette prière simple.
Seigneur, rends-moi responsable. Rends-moi responsable. Je connais que j'ai été irresponsable. J'attendais que tu puisses agir alors que tu devais agir. Élève ta voix et prie au Seigneur ce matin, Seigneur notre Dieu. Nous voulons prier ce matin, Seigneur. Nous voulons élever nos voix, Papa. Nous prions que tu nous rendes, Seigneur, responsables. Seigneur, rends-nous responsables, Seigneur, ce matin. Que mon frère et ma soeur sachent, Seigneur, leur devoir. Qu'ils sachent, Seigneur, que ce qu'ils doivent faire, Seigneur. Qu'ils ne remettent pas à Dieu, qu'ils ne remettent pas au Saint-Esprit ce qu'eux-mêmes ils doivent faire, Seigneur. Papa, responsabilise mon frère. Responsabilise ma soeur. Responsabilise-nous, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur. Avec ces 7 points que nous avons vus aujourd'hui, Seigneur. De travailler dessus, Seigneur Dieu notre roi. De prendre vraiment nos responsabilités, Seigneur Dieu notre roi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tous les saints disent. Amen. 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 Voilà. Que Dieu soit béni. Merci, serviteur de Dieu. Merci, mon ancien, pour la parole, pour la responsabilité. Nous devons être responsables. Amen. Et je pense que chacun de nous a reçu quelque chose de profond, de puissant. Nous sommes appelés à devenir responsables. La vie chrétienne, c'est prendre ses responsabilités. Que Dieu soit béni, mon ancien. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, pour ce culte dans ta présence. Tu as permis, Seigneur, que ce jour que je puisse venir ici en ce jour, le roi. Que mon frère puisse venir, ma soeur puisse venir. Seigneur, nous voici maintenant à la fin du programme. Père, nous recommandons, Seigneur, cette semaine entre tes mains. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que cette semaine soit une semaine bénie. Une semaine de grâce, Père. Et une semaine où, mon Dieu, mon roi, tu vas encore manifester ton amour dans nos vies, Seigneur. Une semaine où, Père, où je vais encore prendre mes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Où mon frère va encore prendre ses responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, Père. Sois béni pour ton amour. Sois béni pour ta grâce. Et la paix de Dieu. Et l'amour du Seigneur nous accompagne toute cette semaine au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur.